sol. Les jambes sont déjà toniques. On inspire, on allonge la colonne, le sommet du crâne, les cervicales. On expire, on cherche à remonter le buste par le dos et par le centre. On peut déjà décoller un peu nos coudes. On inspire, on reste, on stabilise. Sur l'expire, on contrôle le retour, on vise la poitrine. On essaie de passer par-dessus son estomac. Inspire, longueur de la colonne. Expire, monte par le milieu du dos. Inspire, reste. Expire, va dans le sol. Inspire, longueur. Expire, je monte dans un premier temps par le milieu du dos, puis j'allonge mes bras, je fais attention à mes omoplates, à mes épaules. Je lâche, je fais mon culbuto, j'inspire, expire, je repousse, 1. Inspire, 2. Inspire, 3. Et 4. Et 5. Tiens bien ton centre. Reste en haut, inspire, prends le temps de bien ramener les coudes en premier, de descendre vos omoplates, de passer par-dessus l'estomac. Et on rapproche jambes parallèles, main près de la poitrine, on se repousse. 1, 2, fesses talons, 3, 4, 5, 6, 4 pattes, 7, 8, 9, 10. Attention à vos mains, bien sous vos épaules, les coudes déverrouillés, largeur du bassin pour les genoux et vraiment les hanches au-dessus des genoux. On grandit sa colonne, on abaisse les omoplates, les cervicales sont longues. Inspire, allonge, bras droit, jambe gauche dans le sol. Expire, monte. Pense à bien vous repousser de la main gauche, inspire, descend. Allez, on en fait 4 de ce côté. Donc, ça fait 3. Inspire, reviens. Et 2. Inspire, contrôle. Expire, monte. Engage ton périnée. Tiens ton centre pour stabiliser le bassin. Inspire, reviens. Expire, change. Main, genou. Inspire, allonge, bras gauche. Jambe droite, expire, 1. Allez, les hanches bien face au tapis, inspire, amène. Expire, 2. Attention de ne pas vous écrouler dans la main droite. Inspire, amène. Expire, 3. Tiens bien ton ventre. Inspire, amène. Expire, 4. Inspire, amène. On change, expire, inspire, on en fait 2 à droite, expire, monte, inspire, contrôle, expire, 2, inspire, contrôle, change, expire, inspire, bras gauche, expire, monte, inspire, amène, expire, 2, inspire, amène. Pose le genou, retourne tes orteils. Marche vers les genoux. 1, 2. Le bassin en l'air, les talons se posent. On déroule la colonne. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poids du corps vers l'avant. Inspire, expire en roue. Tiens bien ton centre. Passe par-dessus un volume. Et marche. Main droite, tu peux plier les jambes si tu as besoin. Main gauche, main droite, main gauche. Ramène tes épaules au-dessus des mains. Descends le bassin. Déverrouille les coudes, place tes omoplates. Longueur des cervicales, tenez la tête. Inspire, réfléchissez. Expire, repousse. Inspire, fléchis. Expire, repousse. Et marche vers les pieds. 1, 2, 3. 4. Périnée serre, le centre déroule. Poids du corps vers l'avant, inspire. Expire, enroule. Et
Marche main droite, main gauche, bassin au-dessus des épaules, omoplate, tiens ta tête. Et inspire, fléchis, expire, repousse. Descends le bassin, Christine. Inspire, fléchis, expire, repousse et pose les genoux en douceur. Fesse talon 1, 2, déroule 3, 4, la main gauche au bord du tapis, les genoux au bord du tapis, l'angle très ouvert. On redresse les hanches de face, les épaules de face, la main sous votre épaule. On inspire, expire, repousse, pense à amener le bassin vers l'avant. Attention à votre bras, pas là-bas. Inspire, contrôle. Tu peux rester en suspension. Expire, 2. Pousse le pubis et va. Inspire, contrôle. Et expire, 3. Inspire. Et 4. Reste. Inspire. Expire, enroule. Démarrez bien par le centre. Un grand volume. Inspire et ouvre, cherche la longueur de ta colonne, lâchez pas la tête. Expire, 2. Lâche pas ta tête, Sandra. Et inspire, allonge. Et contrôle la descente, contrôle, contrôle. Et ramène pied devant et main, genou. Hanche de face, bras sur le côté. Main sous l'épaule, inspire, expire, 1, périnée serre le centre, inspire, ne vous abandonnez pas, allez, et serre ton centre, pousse le pubis vers l'avant, inspire, reviens, et expire, inspire, reviens, et expire, reste. Inspire, expire en haut, par le centre. Inspire et ouvre, pubis, longueur, tiens ta tête. Expire, 2. Inspire et ouvre. Et contrôle ta descente, contrôle, contrôle, contrôle. Et au bord du tapis, 1, 2, 3. 4, les bras devant, jambes parallèles au bassin, pas les pieds collés, les jambes toniques, pieds pointés. Inspire, monte les bras au niveau de la tête. Expire, rétroversion du bassin, on s'enroule dans un roller. Le regard est de face, on reste. Inspire, on ouvre nos côtes. Expire, change ton regard pour trouver la courbe dans le milieu du dos. Et retrouve tes ischions. Et expire, 2, 3, serre bien ton centre, concentre-toi, 4, inspire, reste, expire, enroule, pensez au C dans la colonne, pas par le bas du dos, Christine, et expire, 2, le regard de face, 3, 4, reste, change ton regard et trouve du rond dans le haut du dos, du rond, ça c'est mieux. Et on en a fait 4 ou 3 ? Ah ben, pied flex alors, inspire, expire, on y va, vraiment un flex, les talons décollés du sol, inspire, expire, enroule, périnée serre le centre, 2, gardez les bras, même si vous allez un peu moins loin dans le roll-up, et ramène, et périnée serre le centre, c'est 3 ou 4 ? Ok, expire, amène. Et le petit dernier, périnée, serre bien ton centre. Le regard de face. Et inspire, sur l'expire, tu reviens. On rallonge les chevilles, on place les bras devant nous, paume de main face à face. On s'enlonge. 1, 2, 3, 4, 5. Placez les bras, 6. Placez bien pied droit sous le genou, pied gauche sous le genou, position neutre du bassin. Shoulder bridge, inspire, expire, enroule.
Inspire, reviens. Allez, sentez bien l'appui de vos pieds dans le sol. Sentez la force que vous prenez dans le sol. Expire, enroule, 2. Inspire, contrôle. Et périnée serre le centre, 3. On reste au troisième en haut. On pousse bien le pied gauche. On inspire, on développe la jambe droite au-dessus de la hanche. Expire, descend à côté de l'autre cuisse. Inspire, amène par le centre. On en fait 2. Expire, descend. Inspire, amène. Expire, pied droit dans le sol. Inspire, change, jambe gauche. Expire, descend. Inspire, amène. Et 2, 2. Inspire, amène. Expire, pied gauche dans le sol. Inspire, amène ta colonne, ton bassin jusqu'à la position neutre. Expire, on refait une seule fois le shoulder bridge vers le haut. Inspire, amène. Expire, descend les bras, paume de main vers le tapis. Avance pied droit, pied gauche à l'avant des genoux, un tout petit peu. Inspire, position neutre. Expire, décolle pied droit, puis pied gauche en position chaise renversée. Tu inspires, tu stabilises. Expire, tu tires sur les bouts de doigts, tu remontes la tête, tu décolles les omoplates, mais pas plus. Inspire, t'amènes les bras derrière la tête, coude ouvert, le poids de la tête dans vos mains. Expire, allonge jambe gauche, tourne vers la droite, sans monter vers ton genou. Hein. Inspire, amène. On ne plaque pas les lombaires. Expire, change. Inspire, contrôle doucement, Sandra. Et expire, on allonge une jambe. Sur l'inspire, on revient en chaise renversée. Oui. Expire, on change. Inspire, tenez bien votre centre, votre périnée. Et une fois, inspire, reviens. Et le dernier, expire. La jambe un peu plus haute, Eva. Et ramène. Genou vers la poitrine, presse 1. 2, développe les jambes au plafond, 3, 4, viens t'asseoir, 5, 6, main 7, 8, place-toi 9,